Alors, j'ai décidé de faire cette opération car on m'a proposé, quand j'étais venue ici pour un rendez-vous ophtalmologique, de faire cette opération. Donc, je me suis dit, enfin plus lunettes, donc voilà. Depuis mes 5 ans, j'ai des lunettes. Je me dis, c'est un peu, j'ai envie de changer, genre d'enlever mes lunettes et de plus en avoir pour voir ce que ça fait. Donc voilà. Alors, je me suis sentie très accompagnée. Ils expliquaient très très bien et. Enfin, il y a beaucoup d'explications, c'est vraiment aucun doute. Bon, j'étais stressée, mais après, c'est normal, je pense. Alors, dans le bloc d'opération, comme je viens d'en sortir, ils sont très sympathiques. Ils m'ont parlé, ils m'ont rassurée et tout. Et puis, c'était beaucoup moins stressant que ce que je pensais. Franchement, une très bonne expérience. Pas à revivre parce que je peux encore opérer des yeux tous les jours, mais, franchement, une très bonne expérience. C'est pas du tout stressant. Alors oui, il y a une odeur de cochon grillé quand il y a le laser qui est allumé. Mais après, c'est pas si dérangeant que ça. Je trouve que c'est assez léger l'odeur, à part si on a un odorat surpuissant. Après, il n'y a pas de douleur, pas du tout. Franchement, on voit même pas les instruments, à part quand ils mettent la lentille, mais ça va en fait. Alors, comme là, je viens de sortir de l'opération, je me sens un peu fatiguée. Mais après, je pense que c'est juste je viens de sortir d'une opération. Après, pour mettre mes lunettes, je pense que c'est plus un réflexe qu'autre chose de les mettre, mais j'ai pas forcément envie de les mettre. Et après, là, je vois plutôt trouble, mais c'est normal. Comme pendant 2 jours, on voit trouble, et après, ça ira mieux. Donc, hâte. J'ai très hâte de plus avoir mes lunettes et d'y voir clair, oui.